De retour chez nous maintenant, incendie majeur à Montréal. On retrouve Catherine Bouchard qui est sur place. Catherine, il y a quand même là, plusieurs pompiers qui sont mobilisés, une centaine, quoi? Oui, absolument. Plus d'une centaine de pompiers. Vous l'avez dit, un incendie majeur. On est en cinquième alarme. Donc, si vous permettez, je vais vous montrer des images là, de cet incendie qu'on est toujours en train d'éteindre activement. Donc, c'est un bâtiment de trois étages là, sur la rue Saint-Dominique, près de l'intersection Ontario. Un bâtiment qui était vacant. L'incendie s'est déclaré vers 4h20 ce matin. Et ma collègue va vous le montrer. Là. Il y a un bâtiment adjacent qui a aussi été lourdement endommagé. Donc, évidemment, pour l'instant, on n'a toujours pas les causes de cet incendie. Vous le voyez, c'est vraiment un déploiement important du côté des pompiers, des policiers de Montréal ici. Donc, on nous disait que le bâtiment adjacent, qui est justement là aussi là, endommagé, aussi la proie des flammes, a été rapidement évacué. Évidemment, là, heureusement, on ne craint pas... Je vais recommencer. Oui, plutôt. On n'a aucun blessé, heureusement. On est toujours en train d'éteindre ce brasier en ce moment, mais on nous disait là, que en ce moment, là, on sent là, que c'est plus maîtrisé que ce l'était il y a une heure. Là, donc, on reste sur place là, pour vous informer des détails là, de la suite des choses. D'autres développements un peu plus tard. Merci, Catherine. À tantôt. Au revoir.